Selon le National Post, les données de la plus grande province du Canada montrent que ce sont des voyageurs américains et non chinois qui ont amené le virus dans le pays. Il convient également de noter que le Canada a d'abord imposé des restrictions de voyage pour la Chine avant d'introduire des restrictions à la frontière avec les États-Unis. Par ailleurs, le magnat américain des technologies et philanthrope Bill Gates a déclaré dans une interview avec CNN que les tests et la capacité de traçage des contacts en Asie étaient beaucoup mieux que ceux des États-Unis. Il a ajouté que si l'Amérique avait pris les bonnes décisions en janvier et février pour mener les tests communautaires, elle ne serait pas confrontée à un coût économique aussi important. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a également déclaré que les recherches montrent que les souches du nouveau coronavirus sont entrées pour la première fois dans son État depuis l'Europe et non depuis la Chine, et que les interdictions de voyage promulguées par le président Trump étaient arrivées trop tard pour enrayer la propagation. Et le coronavirus, virus grippal qui est arrivé à New York, n'est pas venu de Chine. Il est venu d'Europe. Ok, nous avons agi 2 mois après l'épidémie en Chine. Quand vous regardez en arrière, est-ce que quelqu'un pensait que le virus était toujours en Chine, en train d'attendre que nous agissions? 2 mois plus tard, comment est-ce qu'on peut penser que lorsqu'on agit 2 mois après l'épidémie en Chine, le virus était juste en Chine en train d'attendre que nous agissions? Le cheval avait déjà quitté la grange au moment où nous nous sommes bougés. Un chercheur dit maintenant, en connaissant le nombre de vols entre l'Italie et New York, c'était comme regarder un horrible accident de train au ralenti. Ce sont les vols qui venaient d'Italie et d'Europe en janvier et février. Nous avons fermé la porte d'entrée avec l'interdiction de voyage en Chine, qui était juste, même avec du recul, c'était juste, mais nous avons laissé la porte arrière ouverte. Even in retrospect, it was right, but we left the back door open.